السلام عليكم وقوفا عند رغبة مجموعة من المشتركين في القناة مجموعة من التلاميذ ارتأيت انني ندير هاد الامتحان الجهوي معكم اذا غادي تاخد ورقة وستيلو وغادي تحاول تجاوب في كل سؤال غادي يمشي سؤال سؤال تحاول تجاوب وتحاول انك تصيغ اجوبة لكل سؤال أه كنتمنى انكم تشاركوا هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة وباش يعني انكم تساعدوا هذه القناة باش تستمر ان شاء الله حتى السنة المقبلة والسنوات اللي من بعد ان شاء الله حتى البكالوريا علاش لا وكنتمنى لكم التوفيق اذا على بركة الله نبدأ اذا غادي نديرو كل سؤال بوحدو ادير لابوز لا فيديو وغتجاوب على السؤال قبل ما نعطيك انا تصحيح ديال كل سؤال إذن كما كتشوف هنا الامتحان ديال مادة علوم الحياة والأرض كيكون فيه جوج ديال لي بارتي واحد لا بارتي كنسميوها ريستيتيوسيون دي كونيسونس استرداد المعارف هذا كيكونوا فيها أسئلة مباشرة ديال الدرس يعني ما كتطلبش تحليل والوصف اكسيتيرا المقارنة إذن فقط هي أسئلة مباشرة ديال الدرس فيها تعريف فيها أصل بخط فيها إملاء الفراغ

entre l'arborisation terminale ou la terminaison nerveuse d'une cellule nerveuse et les fibres musculaires au niveau de laquelle il y a le transfert des messages nerveux c'est-à-dire c'est la plaque motrice qui permet le passage de l'influx nerveux des fibres nerveuses vers les fibres musculaires pour les pour commander le mouvement Micro Les micro-organismes, ce sont des êtres vivants microscopiques, c'est-à-dire de très petite taille, invisibles à l'œil nu, et ne sont pas observables qu'au microscope, c'est-à-dire Ils vivent partout dans notre environnement, ils

إذا اللي مطلوب منك هو دير واحد السهم إذا أسهم لربط كل مصطلح بالدور ديال كل مصطلح كليك دير لا فيديو اون باش تجاوب على هاد السؤال الجواب لا ليست ان لي تيرم اي لو رول باغ اكزومبل ايسي بلاسموسيت شفنا لي بلاسموسيت سو سون دي سيلول ايمونيتير خلايا مناعية مفرزة لمضادات الأجسام Ce sont des cellules qui produisent et sécrètent euh, des anticorps. Donc, production des anticorps ou d'anticorps spécifique à l'antigène. La synapse, c'est une structure qui permet la, la, la transmission des influx nerveux d'un neurone à un autre, c'est-à-dire d'une cellule nerveuse à une autre cellule nerveuse. L'air motrice, c'est une zone, c'est une partie, il y a juste une le cortex cérébral et Yamakan la production de l'influx nerveux responsable de la motricité volontaire. et le lymphocytes T6, qui a appelé, c les cytotoxiques, ou les, cytotoxiques, ou les, cytotoxiques, ou les cytotoxiques, لانفوسيت تي سيتو توكسيك سيتو توكسيك قلنا قاتله للخلايا يعني لا ديستروكسيون تدمير الخلايا الهدف يعني الخلايا المعفنه بالجراثيم كوم لي سيلول انفيكتي اي لي سيلول كونسيغوز ك الخلايا المعفنه بالجراثيم بحال مثلا الخلايا التي تتسرب اليها الحمات لي فيروس ولا لي سيلول كونسيروز اللي كيتعتبروا حتى هما خلايا On passe maintenant à la question numéro 3, toujours la première partie. Ce qui est demandé ici, c'est est écrire vrai ou faux pour chacune des euh, suggestions suivantes écrire vrai ou faux dire que vrai ou la faux صحيح او خطا la réponse inflammatoire est une réponse immunitaire spécifique الاستجابه الالتهابيه هي استجابه مناعيه نوعيه dirigée contre tous les antigènes موجهه ضد جميع العناصر الغريبه le danger des virus

il de la Cliquez la vidéo en pause et Alors, la réponse inflammatoire est une réponse immunitaire spécifique. Il y a réponse immunitaire spécifique. Il y a un goulot non spécifique. Ce n'est pas spécifique. Diriger contre tous les antigènes, c'est correct, mais non spécifique, Donc, c'est faux. Le danger des virus se manifeste par leur prolifération rapide à l'intérieur des cellules, et par sécrétion de toxines, une Kenrata. Donc sécrétion de toxines, cest la sécrétion de toxines, intèg les bactéries, les bactéries, la sécrétion de toxines. Les virus ne sécrètent pas de toxines, donc c'est faux. L'élasticité du muscle se manifeste par sa capacité à retrouver sa, capacité à retrouver sa longueur initiale après une contraction. C'est vrai parce que le muscle il se tire, il est amadade, il reprend sa longueur initiale. C'est vrai. Et la fibre musculaire est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. C'est faux parce que euh, le système nerveux est le système musculaire. D'accord La fibre musculaire est l'unité structurelle et fonctionnelle du système musculaire. D'accord Du muscle. D'accord Donc c'est faux. Je faut d'abord la question suivante, la question numéro 4. لي زيفينمون سويفون روبريزونت لي زيتاب دو لا فاغوسيتوز يعني خاصك تقرا مزيان هاد السؤال الأحداث التالية تمثل مراحل ظاهرة البلعامة بلعامة البكتيريا لي باكتيري اون ديزوردر فهاد المراحل فهي هنايا غير مرتبة لي مطلوب منك هو كلاسي يعني ملي كتلقى كلاسي يعني خاصك ترتب من الحدث الاول الثاني الثالث حتى الاخير داكا يعني غادي نكلاسيهم هنايا شنو غادي نديرو غادي نكتبو غير ا بي سي دي ايتترا داكا دونك هنايا غادي تقرا مزيان كل أه سطر هنايا ا أه ان دي باكتيري غراس ا لا فورماسيون دو بسودوبود ابتلاع البكتيريا بفضل تكون أه امتدادات غشاء الخليه البلعميه اللي كنسميوها لي بسودوبود ولا Les bactéries sont digérées par des enzymes. Les bactéries sont par enzymes. Rejet de débris bactériens à l'extérieur de la cellule, phagocytaire. la cellule phagocytaire. Fixation des bactéries sur la membrane de la cellule phagocytaire. تثبيت البكتيريات على غشاء الخليه البلعامية غادي ندير لا فيديو أنبوز وغادي ترتب لي هاد الحروف هنايا ا بي سي على حسب الحدث الاول الثاني الثالث الى الأ... الى الاخير ريبونس <applause> اذا هنا عندنا دي هو الاول بوي ا بوي بي بوي سي نرجعوا لهذا الشيء هذا دونك المرحله الاولى في ظاهره با... البلعامه اذا هنايا مراحل ظاهره البلعامه

Donc, un B, ici, un B, les bactéries sont digérées, digérées c'est-à-dire, par les enzymes. Et à la fin, on a rejeté des dipré à l'extérieur de la cellule phagocytaire. Donc, à la fin, on va, euh, faire, on va écrire C. c. Je vais d'abord, ce citer deux procédures pour maintenir l'intégrité du système musculaire. Et

المنشطات احترام التسخينات في بداية كل نشاط رياضي تجنب الحركات العنيفة جدا وكذلك يعني الحذر من القيام بحركات خاطئة التي تسبب خصوصا بعض الإصابات على مستوى المفاصل les articulations alors on arrive maintenant à la deuxième partie, la deuxième partie ديال دائما في الامتحان ديال إزفتي. كنا يعني لابارتي ديال لوريزمون سيتيفيك اي كومونيكاسيون اكريت اي, اي غرافيك الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني بغينا يعني نقول هاد لي زيكسيرسيس تيكونو اكثر صعوبه من التمارين اللي شفناهم قبل لان يعني هنايا يعني كيطلب الامر قراءه نص الوثيقه يعني تحليل الوثيقه استنتاجات بناء استنتاجات تفسير اكسيتيا وهذا خاصنا ضروري نقراو هذا النص هذا مزيان 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 هذا النص هذا نقراو مزيان يمكن لينا حتى نسطرو على بعض الكلمات المفتاح اللي غادي تساعدنا باش نجاوبو على السؤال اذا هذا هذا النص هذا ضروري من القراءه ديالو جيدا والفهم ديالو قبل ما نشوفو لو دوكيمون اللي غادي يجي من بعد يعني بور اون ايفيدونس certaines manifestations de la sensibilité consciente on va parler de à la, à la, à la sensibilité consciente on ne va pas voir les mouvements volontaires on va voir les mouvements involontaires on va voir la sensibilité consciente c'est l'un des outils de c'est ce que je vous ai très important nous proposons les données suivantes on nous parler des données suivantes la peau, le gilet possède plusieurs récepteurs il contient le corps sur plusieurs corpuscules sensorielles Dans les corpuscules de Messner Nous avons dans le cours les corpuscules de Messner et les corpuscules de Passinet Nous avons pris dans exercice les corpuscules de Messner Les corpuscules de Messner sont sensibles à une faible pression C'est ce type de corpuscules qui ont une pression faible Par corpuscules de Passinet ils sont sensibles à une forte pression. Donc, les corpuscules de Pacinière et les corpuscules de Messner, c'est-à-dire qui nous permettent de ressentir la faible pression. Le document 1 montre le positionnement des corpuscules de Messner dans trois zones la zone A, la zone B et la zone C. les zones la zone A. -na. La zone B, -na. Ou la zone C, la zone Voilà, donc la zone A et la zone B et la zone C, de la peau, de la main, la figure A, hein? on a vu ça. Et leur nombre dans chaque centimètre carré, un ADD, -de les récepteurs, les corpuscules de Messner, foule centimètre carré. يعني في كل سنتيمتر مربع يعني مساحة ديال سنتيمتر مربع هنايا في أ أو في بي أو في سي يعني في ممثل عندنا هذا العدد ممثل عندنا في لو دوكيمون توجور في نفس لو دوكيمون في لا فيغور بي يعني هنا دايرين لا فيغور بي لا فيغور بي هنا لا فيغور أ هنا وهذه لا فيغور بي داكوغ يعني كاين خطأ هنايا

من العدد ولا شحال العدد ديال لي كوربيسكول دو ميسنر في <applause> واحد سنتيمتر مربع يعني في ا و فين عدنا؟ فين عدنا A أو B أو في بي و في سي وفين عندنا فين عندنا ا و بي و سي عندنا في المحور الافقي لاكس دي زابسيس داكوغ لان ا هي هادي بي هي هادي و سي هي هادي منطقة سي يعني باش نعرفو غنديرو الاسقاطات غنبقى ندير اسقاط هنا

دو لا فيغور بي اعتمادا على معطيات الوثيقه بي اللي عندك على اليمين دو دوكيمون 1 اذا هذا كله دوكيمون 1 ديتيرميني يعني السؤال هو حدد حدد هذا نوع الاول ديال السؤال حدد ديتيرميني لو نومبر دو كوربوسكول دو ميسنير او نيفو دو لا زون ا بي دو لا زون سي حدد عدد مستقبلات ولا لي كوربيسكول دو ميسنر في كل من المنطقه ا المنطقة ب المنطقه سي يعني غادير لا فيديو اون بوز باش تجاوب على هاد السؤال جواب يعني اش رجعنا لهنا لهاد لا فيغور بي كنشوفو بان عندنا هنايا عدد المستقبلات في كل واحد سنتيمتر مربع المساحه ديال واحد سنتيمتر مربع وهنايا المناطق المنطقه ا المنطقه ب المنطقه سي إذاً يعني يكفي بكل بساطه اننا نشوفوا هنايا في القمه ديال هذا هذا المستطيل وغادي نشوفوا شحال العدد اذا عندنا هنا 140 140 اذا نكتبوا 140 هنايا في 140 corpuscule بار سنتيمتر كاري لا ميم شوز هنايا نرجعوا مثلا هنا في بي لا ميم شوز 20 C'est ici 20, il y a 20 corpuscules de Messner par 1 cm3. On sait 40 corpuscules de Messner. C'était la question numéro 1. On passe à la question numéro 2. Aoud, je vais vous dire, déterminez. Mais si vous avez dit, il y a un peu de temps. 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 C'est-à-dire, tu as devant toi, dans le document, tu as la réponse devant tes yeux. d'accord. donc, parmi les trois zones a, b, c, min le manater, a, b, c, flamand, a, b, c, ulichenom métal, de la figure, b, b déterminez parmi les trois zones a, b, c, la zone la plus sensible, la zone la aktar plus sensible,

Sensible ou bien pourquoi tu as dit que B c'est la zone la plus sensible ou la C c'est la zone la plus sensible Alors, à est la le nombre de récepteurs Tu peux mettre la vidéo en pause pour répondre à cette deuxième question Alors, la deuxième question, la première question je vais la deuxième question, la zone la plus sensible à la légère pression est la zone A, car, nous dire la justification, car, car elle contient un nombre élevé, contient un grand nombre de corpuscules de que contient un grand nombre de corpuscules de misner, c'est-à-dire, que a un grand nombre de de D'abord, déjà, tarifé. Je veux d'abord la suite. Le corpuscule de Mesner a été isolé, comme nabi azl, jussay Mesner, avec sa fibre sensorielle, et celle-ci a été connectée à un enregistreur de signaux électriques, comme nabi azl, jussay Mesner, ma life, la asabi, le morzabet b, wa comme nabi rabta had life bi musajil. الاشارات الكهربائيه لان يعني سنرى الاشارات الكهربائيه هي لي زانفلو نيرفو ولا لي ميساج نيرفو ولا الرسائل العصبيه في اون ليجير بريسيون ايتي تي اكزيرسي ثم قمنا بتطبيق ضغط خفيف على هذا الجسيم ديال يعني ميسنير الوثيقه <applause> 2 تبين لنا العده التجريبيه لو بروتوكول اكسبيريمونتال وكذلك النتائج لي ريزولتا اوبتوني نشوفوا هذا الشيء هنايا On a fibre sensitive, corpuscule de Messner. On a fait un liquide physiologique. Pourquoi Parce que le liquide physiologique qui est le gisme. Il y a un gisme. Il y a un gisme. Il y a un Le corpuscule de Messner. Il y a un gisme. Il y a Alors, la fibre sensitive, on l'a reliée à un enregistreur de. سينيو الكتريك لا مسجل الاشارات الكهربائيه ان يعني هذا المسجل غنستعملوه باش نعرفو واش كاين رساله عصبيه ولا ما كاينش رساله عصبيه يعني في حاله وجود الرساله العصبيه هذا المسجل غيعطينا واحد الاشاره واحد التسجيل على الشاشه هنايا يعني في هذه البدايه عندنا لا فيغور ا ابسونس دائما كاين بزاف ديال الاخطاء يعني فيغور ا ابسونس دو ليكسيتاسيون

تطبيق ضغط خفيف على جسيم ميسنير لاحظنا مباشرة على شاشة تسجيلات على أن هناك تسجيل قلنا أن نغوجيسترمون دو لنفلو نيرو يعني هاد, هاد كيبين على أنه عندما قمنا بالضغط هناك رسالة تم التقاطها على مستوى الليف العصبي على مستوى هاد الفيبر Deuxièmement, nous voyons les questions. Alors, la question numéro 3, déterminer. Ici, déterminer déterminer la nature de l'excitant ».« la nature de l'excitant ». Dans l'excitant, nous les excitants ou les stimulus. D'accord électrique, mécanique, chimique, Voici le stimulus utilisé. Tu peux mettre la vidéo en pause et répondre à la question. Alors, réponse. La pression est une excitation de nature mécanique ou physique. Parce qu'il s'agit de la pression. Alors maintenant, on arrive à la question numéro 4. Expliquez les résultats obtenus dans l'expérience représentée dans le document 2. اون موتون اون ايفيدونس لو رول دو كوربيسكول دو ميسناغ. إذا اشرح، إذا هذه المرة غادي نقولو اشرح، يعني غادي تكتب جملة تشرح فيها النتائج اللي حصلنا عليها في التجربة اللي ممتلة في الوتيقة رقم جوج. وتبين من خلال هاد الشرح تبين دور ديال هاد لي كوربيسكول دو ميسناغ. إذا النتائج ديال التجربة هي اللي عندنا هنايا، إما غياب تسجيل يعني غياب Ricel la sabia. Et oujoud. Ricel la sabia oujoud tsgil. D'accord Jeweb. Sur la figure A, il y a absence d'enregistrement. Je vais vous faire le document. Il y a un nerveux sur l'appareil d'enregistrement. Car il y a absence d'excitation. Il y a un flux de l'excitation. Ou tsgil. Puis maintenant, il y a un A makaynch 3dna dghat w l'influx nerveux sur la figure b il y a enregistrement de l'influx nerveux sur l'appareil d'enregistrement car il y a excitation hit l'excitation goulna la pression d'accord excitation du corpuscule de Meissner pression exercée sur le corpuscule de Meissner ça c'est l'explication des résultats d'abord on goulou dawr le corpuscule de Meissner

la transformer et la transformer un influx nerveux sensoriel. Cet influx nerveux est conduit par la fibre nerveuse. Et on va d'abord la, la suite de cet exercice. A le document 3 représente le, un schéma simplifié des structures nerveuses qui relient l'air de la sensibilité générale au corpuscule de Messner. On voir مبسطة للبنيات العصبية التي تربط بين باحة الحساسية العامة باحة حاسة اللمس و جسيمات ميسنر إذن كما كتشوف هنا عندنا أن إكسيتون أن ستيمولوس كيا لو كوربوسكيل دو ميسنر أو نيفو دو دوا باغ إكزومبل دونك لي فيبر نيرفوز طلقو من لو دوا من لابو

nous d'abord les questions. Alors la question numéro 5. Représenter. mettre il par des flèches, sur le schéma, la rasme, le trajet de l'influx nerveux sensoriel. Pendant l'application d'une légère pression sur le point du doigt. عندما نقوم بالضغط على هذا الجزء من الجلد موجود في الاصبع كيف تنتقل او من اين تمر الرسائل العصبيه الحسيه انطلاقا من هذا المكان في الجلد وصولا الى هذا المكان في المخ او لا في القشره المخيه اللي كنسميو لير دو لا سونسيبيليتي جينيرال دكاغ سي تري فاسيل يكفي اننا نزيدو غير الاسهم في هذا لو اللي, اللي عندك هنال.

نشوء رسالة عصبية حسية انتقالها عبر الألياف العصبية الحسية وصولها إلى النخاع الشوكي إلى uh, هاد البصلة السيسائية لبولف غاشيديا إبوي على لغة لا سنسيبليتي جينيرال دونك هاد الشي تكتبو على شكل نص اللي مطلوب منك هنايا في هاد لا كيستيون نيميرو سيس تو بو ميتر لا فيديو اون بوز باش يمكنلك تجاوب على هاد السؤال Alors, réponse, après l'excitation des récepteurs sensoriels, corpuscule de Messner, les il y a naissance de l'influx nerveux sensitif qui va être conduit par les neurones sensitifs, les fibres nerveuses sensitifs, vers l'aire de la sensibilité générale, passant par la moelle épinaire et l'obule brachidien, Tchadadzida, où il va, donc au niveau de l'aire de la sensibilité générale, il va.

Ce, ce, ce texte parce que c'est ce texte qui, qui qui te permettra de comprendre de quoi s'agit-il donc afin de mettre en évidence ou la la nature car et les caractéristiques de la réponse immunitaire ibaraz dirigée contre certains antigènes mugead les les antigènes, on propose les données suivantes. Nous avons fait les expériences. Donc, le document 1 représente deux expériences réalisées sur deux lapins. Le lapin A et le lapin B. D'accord. Alors, nous avons fait les expériences. Donc, on a ici l'expérience 1 et l'expérience 2. D'accord L'expérience 1, on a injection de l'anatoxine titanique. C'est quoi l'anatoxine Je suis la toxine. Mais la l'anatoxine Donc, l'anatoxine, c'est quoi C'est une toxine qui a un traitement chimique qui ne peut pas causer ولكن donc l'anatoxine, c'est une toxine qui n'est pas toxique, mais elle est reconnue comme toxique par le système immunitaire. Et après 15 jours, après 15 jours de cette injection, il l'anatoxine, il y a le lapin, l'ismina A. 15 jours après 15 jours, on a injecté la toxine titanique, la toxine titanique normale qui est toxique, c'est-à-dire qui peut tuer cet animal. d'accord Mais dans le résultat, et dans le résultat, où est la survie de, du lapin A La deuxième expérience, qu'est-ce qu'on a fait On a injecté l'anatoxine titanique. Mais cette fois, après... 15 jours, on a injecté une autre toxine. C'est pas la toxine tétanique. Il y a une erreur. C'est la toxine diphtérique. C'est une autre toxine. sécrétée par une autre bactérie. Après, on a euh, observé dans le résultat que le lapin B meurt. Il y a une injection de la toxine tétanique. Mais après 15 jours, on a injecté une autre toxine. La toxine diphtérique. C'est pas tétanique. C'est une erreur. Et on a mort de l'animal à la fin. On passe maintenant aux questions. Et la question numéro 1. Déterminer les antigènes utilisés dans les deux expériences 1 et 2 du document. Il y en a un Déterminer. Il y a head déjà l'expérience. D'accord head que la vidéo, on pose ou répond à la la question. Réponse, donc la toxine tétanique dans l'expérience 1 et l'expérience 2, la toxine titanique et la toxine diphtérique. C'est ça l'antigène. Donc l'antigène, la, ou la l'un seul gare, le lapin A ou la, le lapin B. seul gare, soit l'anatoxine, soit la toxine. Une bjujum qui est à table des antigènes. Question numéro 2, décrire les conditions et les résultats des deux expériences. Et là, on d'écrire assez fort. Ache nous quelque chose d'assez fort. Et ainsi, rire nous que tu vois. D'accord. Donc tu vas écrire. So, tu vas d'écrire que des mots, lois, phrases, leurs la arabe, binaya fort, chers etc. Donc d'écrire, c'est-à-dire écrire ce que tu vois. D'accord. Donc qu'est-ce que tu vas d'écrire? Les conditions chorot la

resté en vie et on le met dans deux tubes X et Y donc on prend le muscle de l'arbre A, le muscle de l'arbre X et on va utiliser ce muscle le muscle de l'arbre N l'arbre 1 est nommé X et l'arbre 2 Y d'accord on ajoute la toxine tétanique au tube X et la toxine diphtérique au tube Y donc on ajoute sous la mine quest X

se mène le kazaz بعد ذلك نلاحظ بأن في bub yeter يتكون rasib formation d'un précipité عندما نقوم باستخراج هذا الراصب ونلاحظه بالمجار observation au microscope du précipité on observe qu'on formation d'un complexe humain l'ismina complexe anticorps antigène anticorps aïana L'antigène, donc tu as ici le complexe humain, se forme entre les anticorps et l'antigène qui est ce, ce petit rond qui représente la toxine tétanique. Chez l'expérience 4, on a toujours utilisé le sérum du lapin A, l'ébrahi. Cette fois, au lieu d'ajouter la toxine tétanique, on a ajouté une autre toxine, la toxine diphtérique, l'ébrahi. Ou bien, une bactérie, une d'entre elles, la bactérie du Titanic, la bactérie, la bactérie le titanus, la bacille titanique. Donc, après, on n'a rien, pas de précipité, qu'est-ce que Lorsqu'on observe cette solution de l'océan, les nardeaux nous aident observation au microscope. On a des anticorps qui, sont, euh, qui ne sont pas liés. Aux antigènes qui, qui est la toxine diphthérique. dans l'observation microscopique, je viens de dire que les cellules cardiaques, les modèles qui cellules limoges adultes, se montrent les anticorps qui sont spécifiques au toxi, à la toxine tétanique, ne sont pas liés à la toxine diphthérique. Donc, les toxines diphthériques ne sont pas reconnues par les anticorps. Qui sont destinés contre la toxine titanique. D'accord Pas de formation du complexe humain. D'accord Et je vous les questions. La question 3. Comparer les résultats de l'observation microscopique du contenu de chacun des tubes X et Y. Rendez-vous, de la de de la de la pour ce qui est de la question, les résultats, nous allons dire la comparaison, comparaison de la expérience 3 et la expérience 4. Réponse Dans le tube X, il y a formation du complexe humain, c'est-à-dire le complexe anticorps-antigène, fixation des anticorps. اونتيتوكسين تيتانيك سيغ لاطوكسين تيتانيك، إذن هاد لي زونتيكور اللي لقيناهم في المصل ديال لو لابان أ، إيل سون ديستيني موجهة ضد سمين اللي سميناه لاطوكسين تيتانيك، سمين كالزاس، داكوغ؟ وبالتالي هناك تكون مركب، من هاد مضادات الأجسام لي زونتيكور كيتعرفو على هاد لونتيجين اللي هو la toxine titanique, ou de la toxine alors que dans le tube Y il n'y a pas de formation du complexe humain fait une bob Y les y effet la toxine diphtérique, et les anticorps les à la toxine titannique mais le match antigène anticorps d'accord pas de fixation des anticorps anti toxine titanique sur la toxine diphtérie. Alors, on continue avec l'exercice à partir des données du document 2, expliquer les résultats des deux expériences 1 et 2 présentées dans le document 1. Acheunom maintenant les résultats, la survie du lapin A et la mort du lapin B. Donc on revient à l'expérience numéro 1. Donc l'expérience numéro 1, on a la survie du

Je vais vous dire que le lapin A est un et le lapin 2 est un lapin. Le lapin A est un lapin qui est un lapin qui qui est un anticorps antigène, qui le complexe humain. Et nous avons un lapin qui anticorps antigène. Alors, tu, tu mets la vidéo en pause et réponds à cette question. Alors, expliquez pourquoi. On a la survie du lapin A et la mort du lapin B euh, à partir des expériences que nous avons vues. Alors, les deux lapins A et B ont acquis une immunité contre la toxine tétanique après l'injection de l'anatoxine tétanique. l'anatoxine tétanique. L'année dernière, l'anatoxine tétanique. les corps les le lapin A et le lapin B. عرفوا بلي كاين عندنا ان انتيجين برودوي دي زونتي كور انتي توكسين تيتانيك ابخي لانجيكسيون دو لا توكسين تيتانيك او لابان ا دن بعد ما درنا له لا تكونت عنده ذاكره مناعيه داكو ومن بعد ما درنا لا توكسين تيتانيك اللي هي ممرضه قاتله ف هناك ذاكره تعرفت على هذا المولد المضاد اللي هو لا توكسين تيتانيك où se produisent des la toxine titanique le anticorps complexe humain une formation de complexe humain, anticorps en titanique, d'où la survie du lapin mais après l'injection de la toxine diphtérique qui est différente au lapin B la toxine n'a pas été neutralisée euh, l'antigène la toxine diphthérique, car les anticorps produits contre la toxine tétanique n'ont pas réagi avec la toxine diphthérique. Elle les anticorps les canines, le sérum le lapin A, sont fakat d'aide la toxine tétanique aux machines d'aide la toxine diphthérique, d'où la mort du Lapin B, donc il n'y en a qu'un mois là. Les anticorps, ils sont spécifiques, ils sont spécifiques, c'est-à-dire ils sont destinés contre un seul type de toxine et pas n'importe quelle toxine. D'accord, ils sont dans ce cas, ils sont dirigés contre la toxine tétanique et pas la toxine diphtérique. D'accord, donc on parle d'une immunité spécifique. Donc on arrive à la dernière question déduire la voix et la caractéristique de la réponse immunitaire mise en évidence par les expériences précédentes. استنتج المسلك ومميزات الاستجابة المناعية التي تم الكشف عنها من خلال هذه التجارب. إذا المسلك شفنا بأن هناك مسلكين وهناك يعني مميزات لهذا النوع من لا ريبونس ايمونيتير

la réponse immunitaire à médiation cellulaire ou la réponse immunitaire à médiation humorale. La réponse immunitaire à médiation humorale, il y a des anticorps, il y a un antigène qui est hors les cellules, qui se trouve hors des cellules, qui est en la plupart des bactéries ou les toxines, ce sont les toxines. Donc, euh, automatiquement, la réponse immunitaire à médiation humorale. Les caractéristiques de la réponse immunitaire, c'est une réponse immunitaire spécifique. Pourquoi Parce qu'on a vu que les anticorps destinés contre la toxine titanique ne sont pas utiles et ne peuvent pas éliminer, ne peuvent pas neutraliser une autre toxine là, la toxine diphtérique. donc on parle ici de l'immunité spécifique ou la l'immunité acquise. d'accord? donc, cette vidéo est terminée.